Bonsoir à toutes et à toutes en ce vendredi. C'est le week-end. Demain, je ne travaille pas, c'est repos. Comme j'ai travaillé toute la semaine, donc je repos ce week-end. Nouvelle petite vidéo de coucourse, comme d'habitude, hein, et de petits blabla, et de blabla, et de blabla, et de blabla. Oh mon bébé, oh il est tout noir, un bébé tout noir. Et je vais vous parler de quelqu'un sur Instagram qui fait son caca nerveux. Je sais pas qui c'est, je ne connais pas ce mec-là. Et il me fait des menaces sur Instagram, donc je vous expliquerai ça tout à l'heure. Alors d'abord les co-courses, donc je me suis pris du Red Bull. Red Bull là, pour ce soir ou demain, on s'en fiche. Badoit, toujours de la Badoit verte, hein, il y a du rouge, il n'y en a pas en ce moment. En fait j'étais à Leader Price. Hein. J'ai pris du soda. Soda orange. Un mahout, c'est vrai. Pour ce soir, moi je me suis surpris de la piémontaise au jambon. En ce moment, on est en train de se faire une cure de petites entrées comme ça. Soit on achète comme ça ou on fait maison. Donc moi, comme j'avais pas envie de faire à manger ce soir. Donc je me suis pris de la piémontaise. Et pour Cécile, je lui ai pris des tortillas au surimi. J'espère qu'elle va aimer parce que qu'elle me dise pas, bah non, j'aime pas ça. Normalement, elle devrait aimer. Voilà, petite entrée. Enfin, ça fait comme des légumes, quoi. Et pour aller avec du rôti de porc cuit et à 4 tranches avec deux chacun. C'est des petits paquets de 140 grammes. Donc pour ce soir, ça ira très très bien. La viande et l'entrée. Pour demain matin, petit croissant, un croissant chacun, puis avec du pain raisin, donc je me suis fait un croissant. Et bien sûr, la petite baguette. Et j'étais faire un tour à Châtelet. Donc pareil, hein, Flying Tinger, bah, c'est en ce moment, il n'y a rien, rien, rien. C'est Nasbrock de chez Nasbrock. Chez Emma, j'ai pas été parce que j'avais la flemme d'y aller. Mais j'ai vu qu'ils ont mis que des trucs d'été. Les planches, si vous savez, les trucs qui passent sur l'eau là. Les planches pour surfer sur l'eau. Il y a des buées, des bouées en forme de licorne et tout ça. Enfin, c'est que des trucs d'été. Donc j'irai la prochaine fois. Hein. Et j'étais à un autre magasin qui est un peu plus loin, mais le nom du magasin, je ne me rappelle plus du tout. Bon, allez, Maouts! Donc, du coup, j'ai repris du senteur sans bon. Vous savez, les petites tiges là. J'ai payé ça, les 10 pour. Vous savez, ça là. Les encens. J'ai payé les 10 pour. Les 10 pour 3 euros. Donc, voilà, hein, ça vaut le coup. C'est pas bien cher, ça. T'as vu, ça sent bon? Ça sent la rose. Alors, il y a du tout, hein. Il y a du citron, il y a du citron, il y a senteur citron, il y a senteur violette, il y a senteur cannelle, il y a senteur rose. Le rose, j'en ai pris deux parce qu'il sent super bon. Senteur fleur d'oranger, senteur égrume d'orange. Et les autres, bah, je crois qu'il y en a que c'est Jacinthe, je crois. Senteur Jacinthe. Et les autres, je ne me rappelle plus. Voilà, mais grosso modo, voilà, c'est les thèmes que. Enfin, les thèmes. C'est les senteurs que j'ai pris. Que j'ai à peu près pris comme j'avais pris l'année dernière. D'ailleurs, on n'a pas tout pris. On n'a pas tout fait. Il nous en reste encore 3-4 encore. Tiens, je te fouette, je te fouette, je te fouette. Puissant fou.
Il s'en fout, Mahout. Il s'en fout. Si très bien, c'est pas pour du mal, c'est pour jouer. Hein? Hein? Papa cucu. Papa cucu, malgré que des fois tu mérites. Hein? Des fois tu mérites des gros papa cucu quand tu fais pipi dans le lit. Hein? Quand on est en train de dormir, tu fais pipi dans le lit. Hein? Oh mon tout noir. Oh mon bébé, oh mon petit bébé tout noir, oh les petits cucu tout noir. Oh mon petit requin, le petit requin, le petit requin. Bah j'arrête sans me casser le truc. Ah et puis OROA nous ont donné ça. Je pense que c'est un truc pour accrocher en cas si bah tu peux pas t'asseoir. Et en cas si t'as pas envie de toucher les barres de. Soit du RER ou du bus. Mais je pense que ça serait plus pour le bus parce que ça, pour accrocher ça au RER, dans le RER ou le métro, ça va être chaud quoi. Mais ça sera plus pour le bus. Mais bon. Donc en tout cas, c'est cadeau. Donc voilà, je l'ai pris. Voilà. Donc voilà pour les petites coucourses. Pour les petites coucourses. C'est si ce soir à Bosse, hein, jusqu'à 22h. 22h, 22h30, tout dépend. Normalement, c'est 22h. Donc le manger, il est prêt. J'ai juste à mettre dans l'assiette tout ça au frigo. Bien. Ah bah non, je peux même pas les envelopper, disons. Je peux même pas les envelopper, j'ai oublié d'acheter de l'aluminium. Oui, Maout. Oui, Maout. Pourquoi tu me regardes, Maout? Par contre, les chats, je vais leur donner à manger. Ils ont pas une, ils viennent juste de se lever. Ils n'ont pas une miam-miam. Donc, ils vont pas tarder à avoir du miam-miam. Le temps aujourd'hui, soleil flotte, soleil flotte, soleil flotte. Là, il pleut pas, il y a beaucoup beaucoup de vent, mais ça va quoi. Un petit peu frais, mais bon, ça fait du bien. Ensuite, oui, comme je vous disais, il y a un gars sur, je sais pas d'où il sort, il est dans DM. Me fait son caca nerveux là, prêt à me défoncer la gueule, tout ça parce que j'ai fait une vidéo de Morgan Freeman sur Snapchat. Alors que je pense qu'il y en a beaucoup beaucoup qui ont dû le faire aussi. Se faire Morgan Freeman. Et du fait ça lui a pas plu parce que j'ai fait une petite vidéo en parlant un peu africain quoi. Alors qu'il n'y a rien du tout. Comme vous me connaissez tous, hein, il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de. Selon lui, c'est un truc de raciste que j'ai fait. Il y a même une autre personne qui apparemment qui me suit sur la chaîne aussi. Elle m'a envoyé un truc aussi, comme quoi qui a été très déçue parce que j'avais fait cette vidéo-là, mais c'est vraiment ridicule. Vraiment, vraiment, vraiment ridicule. D'ailleurs, j'ai répondu à cette dame-là, pas méchamment, mais je lui ai répondu. Comment voulez-vous que je sois raciste? Que mes parents soient racistes? Ça, on n'y est pour rien. Et moi, comment voulez-vous que je sois raciste? Déjà, j'ai des origines algériennes gitanes, j'ai de la famille portugaise, j'ai de la famille espagnole, j'ai des amis congolais, qui veut dire, comme je suis d'origine algérienne, j'ai de la famille algérienne. Je travaillais plus de 35 ans dans la restauration. J'ai toujours travaillé avec des Tunisiens, Marocains et Algériens. Et à mon boulot, je travaille avec toutes les frontières. Portugais. Ah oui, j'ai même de la famille portugaise aussi. Enfin, entre guillemets.
Et voilà, je travaille des Portugais, je travaille des Brésiliens, je travaille avec toutes sortes d'Africains, que ce soit du Wawanga ou du Mali ou du Congo ou d'autres pays, mais bon, je connais pas trop les noms africains. Je travaille avec des Brésiliens, avec Tunisiens, Marocains, Algériens. Je travaille avec des Yougoslaves. Comment voulez-vous être raciste? Si vraiment je serais raciste, déjà je ne travaillerais pas dans une usine où il y a, où c'est peuplé d'étrangers. Je ne serais même pas moi-même pas du tout origine. Franchement, les gens, il y a certaines personnes, franchement, faut qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils arrêtent soit le coca, soit la beuh, ou il faut qu'ils se fassent des révisions chez Mécano parce que franchement, entendre des conneries comme ça, franchement. En plus, même dans ma cité, je connais des anciens, ça fait des années qu'on se connaît, que ce soit tunisien, africain, marocain, on se connaît, on se fait la bise et tout, on boit ensemble, ensemble et tout. Je comprends pas les gens qui disent que je suis raciste, que tout ça parce que j'ai fait une vidéo comme ça, que j'ai parlé un peu, que j'ai parlé africain quoi, mais c'était, y a rien de méchant, c'était juste pour rigoler et tout. Même au boulot, des fois, c'est avec mes amis africains, maliens, je parle comme eux, et alors, c'est pas pour ça qu'ils vont me marrer parce que je parle africain. Au contraire, ils rigolent, ils plaisantent avec moi. Mais franchement, t'en as, c'est. Alors, du coup, je l'ai signalé. Je l'ai signalé pour ces menaces, et je l'ai bloqué carrément parce que. Avoir des individus comme ça pour foutre la merde, franchement, moi ça m'intéresse pas. Alors que je n'ai jamais eu de problème encore sur Instagram. Donc voilà. Donc sachez que je ne suis pas du tout raciste. Voilà. Donc commencez pas à me prendre la tête en disant oui, je ne suis point raciste. La preuve, j'ai un chat noir. J'ai un chat rouquin. Je suis pas raciste. Non, mais blague à part, franchement, je suis loin d'être raciste, je suis pas du tout raciste, je m'en bats les couilles de ça. Moi, j'aime tout le monde, du moment qu'on me casse pas les couilles et qu'on me fait pas chier. Franchement, moi, je m'entends avec tout le monde, donc voilà. Bon, bien sûr, faut pas mettre le couteau dans le dos aussi, quoi, par derrière, quoi, parce que là, ça ira plus, quoi. Ça ira pas. Mais sinon, je suis très, 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 très loin d'être raciste, franchement. De toute façon, ça sert à quoi? On est tous égaux. On a tous un cul, on a tous un zizi, les femmes ont tous une paire de seins, qu'elles soient noires, blanches, jaunes, vertes, oranges. On a tous un cerveau, on mange, on chie, on pisse. On est tous pareils, donc ça sert à quoi d'être raciste? Par contre, si tu veux maraver quelqu'un aussi, tu viens. Qui vient m'arriver le gardien là, lui c'est juif polonais, lui il n'y a pas de problème, lui il est raciste, lui il aime pas du tout les Africains noirs machin, il est hyper raciste, c'est un mec qui est hyper raciste. Par contre ce genre de personne là, oui là tu peux le maraver, mais viens pas me dire à moi que tu veux mon adresse pour maraver tout ça parce que j'ai fait une vidéo. Arrêtez, faut arrêter, arrêter, arrêter les conneries, quoi. Faut arrêter. J'ai plein d'amis africains, arabes et tout. On pisse ensemble, on boit dans le même verre, on boit dans la même bouteille. Et après, on vient me dire que je suis raciste. Putain. Arrêtez, arrêtez les gens, arrêtez. Donc, bah voilà. Voilà ma petite histoire. De toute façon, chaque semaine, il y a toujours un petit truc, quoi. Donc, ça commence sérieusement à me gonfler aussi. Si t'as plus le droit de rigoler avec Snapchat parce qu'ils mettent des trucs. Sinon, bah, va t'en prendre un Snapchat qui met des trucs africains. Hein, y en a qui font même des TikTok. Il y en a qui.
ils font des trucs africains et tout ça, c'est pas pour ça que tu vas aller les maraver. Si tu maraves à chaque fois les gens qui imitent les Africains ou quoi que ce soit, t'as pas fini, mon gars. Enfin bref. Encore un qui a pas fait caca encore. Mais bon. Sur ce, je vais vous laisser parce que moi je commence à être un petit peu fatigué. Je vais sûrement m'allonger un petit peu là en attendant la miss. Donc si vous aimez cette petite vidéo de course et de blabla, donc n'oubliez pas de commenter, de partager, de... Et oui, regarde, j'ai même un chat noir. Il est tout noir. Hein? Il y a mon bébé, il y a mon petit bébé sur papa. Partagez, commentez, sonnez la petite cloche. Oui, papa va donner, je sais ce que tu veux. Tu veux le miam miam. Papa, il donne. Et tout ça, 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 tout ça. Hein? Allez, je vous fais des gros gros bisous. Passez une bonne fin de soirée. Bon appétit pour ceux qui mangent. Embrassez vos enfants, embrassez les grands-pères, les grands-mères, toute la clique. Et à une prochaine petite vidéo. Hugues les loulous.